Bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, je vais vous montrer ma recette de charlotte aux deux chocolats, chocolat au lait et chocolat blanc. C'est une recette très facile avec très peu d'ingrédients. Pour cette recette, il vous faudra 40 boudoirs, 100 g de chocolat blanc, 100 g de chocolat au lait, 4 œufs et 250 g de mascarpone. Alors, je commence par casser mes œufs, je sépare mes blancs des jaunes dans deux saladiers et je vais fouetter le blanc d'œuf et les jaunes d'œuf. Je mets un peu de sel pour aider les blancs à monter. Donc voilà, j'ai fouetté les deux. Donc ensuite, je vais faire fondre mes deux chocolats, donc le chocolat blanc et le chocolat au lait. Je les fais fondre au micro-ondes, moi. Vous pouvez aussi le faire au bain-marie. Ensuite, je prends ma mascarpone que je vais diviser en deux pour le mettre dans le chocolat blanc et le chocolat au lait. Donc, je divise en deux ma mascarpone. Je mets la moitié dans mon chocolat au lait et l'autre moitié dans le chocolat blanc. Je vais bien mélanger. Une fois que j'ai bien mélangé le chocolat blanc et le chocolat au lait avec le mascarpone, je vais prendre mon chocolat blanc et le mettre dans un saladier. Voilà, je mélange encore un peu. Je vais prendre les jaunes d'œufs montés et je vais diviser en deux. Donc je vais mettre la moitié dans le chocolat blanc. Comme ceci, je mélange bien. Et je prends ma crème au chocolat que je verse dans le reste de jaunes d'œufs. Donc j'ai divisé les jaunes d'œufs en deux. Voilà, je vais bien mélanger. Donc voilà, j'ai divisé les jaunes d'œufs que j'ai mélangés aux deux crèmes au chocolat, chocolat au lait et chocolat blanc. Et maintenant, je vais prendre mon blanc d'œuf que j'ai monté, divisé encore en deux. Donc je mets la moitié dans le chocolat blanc et l'autre moitié dans le chocolat au lait. Tout simplement. Je mélange délicatement cette fois-ci. Avec un fouet. Voilà. Donc, je me retrouve avec une mousse au chocolat au lait et une mousse au chocolat blanc que je mets de côté pendant que je prépare mon moule à gâteau. Donc, c'est un moule à gâteau que j'ai recouvert de film plastique pour pouvoir le démouler facilement. Je prends ensuite mes boudoirs que je trempe dans du lait et je vais recouvrir toute la surface de mon moule. Donc je fais d'abord le tour. Comme ceci. Et je fais ensuite le fond. Je prends ensuite ma mousse au chocolat au lait que je divise en deux. Donc je mets la moitié au fond. J'étale bien et je vais recouvrir avec une couche de boudoir. Je prends ma mousse au chocolat blanc. Je dépose au-dessus des boudoirs. Donc là, je mets tout le chocolat blanc, toute la mousse au chocolat blanc. Et je recouvre encore avec une couche de boudoir que je trempe évidemment dans le lait. Donc voilà, j'ai recouvert avec une couche de boudoir. Et je prends le reste de ma mousse au chocolat au lait que je dépose au-dessus. Voilà. Et comme il me reste
de la surface. À remplir, je vais faire une chantilly. Donc j'ai pris 20 cl de crème liquide entière avec un peu de sucre glace que je fouette. Je mets dans une poche à douille et je vais remplir le reste de ma charlotte. Donc voilà, je vais remplir tout, la surface. Quand c'est fait, je vais prendre du cacao en poudre et je vais saupoudrer légèrement, comme ceci. Voilà, et je vais ensuite le mettre au réfrigérateur pendant minimum 4 heures. Voilà, je le démoule tout doucement et il ne me reste plus qu'à le déguster. Donc c'est une recette très très facile avec très peu d'ingrédients, très rapide à faire aussi. Et c'était très bon. On s'est régalé. J'espère que ma vidéo vous aura plu. À bientôt !